C'est rare que je retourne une vidéo, mais là c'est la deuxième fois que j'appuie sur le bouton enregistrer. Pourquoi? Parce que la première, j'ai pris quelques pages web et j'ai dit ok, comment les autres y causent d'expliquer de comment tu deviens un très très bon SEO. Et ben, finalement, ce que je dis, c'est qu'ils disent pas de conneries, mais que ben, il faut quand même développer un petit peu. Mais il y a un truc que j'ai pas trouvé, j'ai pas tout regardé, mais ça, j'ai pas, il y a quand même la qualité, ou disons l'état d'esprit nécessaire. Juste avant, j'étais donc mon pote Remco, un SEO hollandais, répondait de manière sarcastique à un autre pote qui le chauffait en disant, non, moi je suis SEO, j'aime pas le changement. Et là, les études sont claires du point de vue éducatif. Il n'y a pas photo. Pourrait prendre beaucoup plus de temps pour te l'expliquer, mais je pense que ça va avoir du sens si tu comprends que un gamin à Chicago de 10 ans, la professeure leur donne des exercices trop difficiles pour leur âge. Trop difficiles. Donc quasiment échec garanti. Alors il y en a qui kiffent. Ça c'est ma cas. D'accord? Il y en a qui disent, ouais, j'aime le challenge, tatati, tatata. Bon, réaction positive. Et dans ceux qui ont eu une réaction qu'on peut qualifier de négative, ben après ils sont allés creuser un peu plus. Ils ont mesuré dans le cerveau au niveau électrique, combien ça bougeait. Et donc, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle le fixed mindset, qui se contentent de leur zone de confort, qui sont des OK, je veux des bonnes notes, très bien, j'ai un devoir, j'ai un 20 sur 20, et puis ils ont même fabriqué des monstres du point de vue professionnel, qui ont des récompenses journalières, quotidiennes, ahurissant. Et là, donc, il y a ceux qui aiment le challenge, qui aiment les défis, eh ben, ça vrombit, tu vois, tu peux même devenir plus intelligent, tu améliores, enfin, tu deviens plus intelligent, il n'est pas trop tard, tu peux commencer à un âge avancé et ça va fonctionner. Et ça aussi, pareil, si tu mets ton esprit et ton corps en danger, tu t'augmentes. Si tu connais ma vie, tu sais que ben, ça fait un paquet de temps, que ça fait 35 ans que je fais du sport extrême. Donc je pense que je suis un petit peu augmenté de ce côté-là. Et un petit peu cassé de l'autre côté aussi, c'est sûr. Mais peu importe. Le corps, c'est comme une voiture. On va au garage. Le truc est de comprendre que cette qualité que je vais te révéler dans quelques secondes. Pour terminer sur ces gamins, c'est à Chicago, donc dans ceux qui ont échoué, après, ils ont demandé, mais alors qu'est-ce que tu vas faire pour réussir un exercice aussi difficile la prochaine fois? J'adore aussi, hein, qui ont dit, bah, je vais tricher. Donc étudier et puis faire un truc trop difficile, je vais tricher. Et là où ça devient beaucoup moins rigolo, c'est ceux qui disent, eh ben, je me contente de trouver un qui a encore plus échoué, comme ça, moi je me sens mieux. Et là, on rentre dans un état d'esprit du SEO contemporain, moderne, qui a été dans une certaine. Oui, il y a eu là une période fantastique où achat de liens et optimisation de balise title, et ça suffisait. OK. Maintenant, parlons de visibilité au sens global. Et ça devient beaucoup plus compliqué quand. Alors, on me faisait toujours la remarque, ouais, mais ça marche suffisamment bien encore. Ok, très bien, mais quand tu as été moi et qu'aujourd'hui, ben, il faut travailler 10 fois plus pour que ça rapporte 10 fois moins, c'est pas ma came. Et encore une fois, j'aime les challenges. Donc, tiens, je l'ai annoncé, c'est public. Donc, je peux le répéter. Moi, quand j'ai fait le reboot d'un bootcamp, j'ai annoncé clairement qu'il fallait que
je gagne, pas en visiteurs par mois, pas en chiffre d'affaires, en cash, la palette, 10 millions d'euros en 5 ans. T'en veux du défi? Et à ton avis, si tu traînes avec des gens, il y a un paquet de déjà de gens qui sont rentrés dans Bootcamp pas millionnaires et qui sont millionnaires aujourd'hui. Après, à toi de voir comment tu définis un millionnaire. Mais là, moi, je te dis, c'est du cash. Gagner 10 millions, économiser sur une palette pour ma retraite. Parce que je ne vais pas faire ça pendant 150 ans. Si tu crois que c'est avec Bootcamp, que c'est indirectement avec Bootcamp, c'est grâce à des projets, mais d'ambition, waouh, démentiel, intersidéral, que je vais arriver à ça. C'est pas directement en te monétisant toi, ne te trompe pas. J'essaye d'attirer à moi certains talents en mettant des filtres de manière à ce qu'il n'y ait pas, il y ait vraiment qu'on soit sur la même fréquence. Mais ça, il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque là-dessus. D'accord? C'est pas. Oui, y a un prix d'entrée parce que ben, le gratuit, ça vaut que son prix. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais après donc, plus de 7 ans de bootcamp, et peu importe ce que je vois, ce que j'ai eu comme étude sur l'éducation, et peu importe là, comment tu crois que l'éducation nationale va réussir à surmonter le défi de ChatGPT en interdisant aux élèves d'utiliser ChatGPT? Ok, essaye voir. T'es obsolète. Combien de temps ça va durer? T'es un mammouth, t'es une institution. Combien de temps tu vas durer à résister à être obsolète? Pour nous, les SO, c'est pas pareil. Personne n'a rien à foutre de nous. On n'est pas, on va pas être des espèces protégées qui sont subventionnées comme peuvent l'être les journalistes. Hein. Alors, on va dire, ouais, adapte-toi ou crève. Dégage et tu vas manquer à personne. Je l'ai dit et répété depuis des années. Mais adapte-toi, fais de la veille, tatatit. Ouais, mais c'est pas ça en fait. C'est qu'il faut. Tout seul, c'est compliqué. Et si tu le fais avec des gens qui sont. Il faut que tu traînes avec des gens qui te tirent par le haut. Ceux qui ont fait du sport le savent très bien. Moi, j'étais joueur de rugby, j'ai fait un paquet d'équipes, de espoir à Stade français jusqu'à Fédéral 3, c'est à peu près les niveaux où j'ai navigué. Et oui, un très bon joueur. Joël Stransky, quand on jouait ensemble en Fédéral 3, Joël Stransky, il venait d'être champion du monde en Afrique du Sud, il vient jouer en Fédéral 3 en France. Eh bien, il s'est adapté au niveau. Moi, quand je suis allé en espoir au Stade français, je me suis upgradé, même si je n'ai pas joué avec ce qu'on appelle le top 14 aujourd'hui, mais bref, l'expérience était chouette quand même. Donc, tu vas t'upgrader et de gagner du temps en venant nous rejoindre maintenant avec cette offre qui est complètement folle. C'est pour. Et j'essaye de faire un pari. C'est pas pour séduire 250 personnes. Hein. Là aussi, il faut pas se tromper. C'est vraiment quelques individus sur lesquels je parie de dire, OK, on est sur la même fréquence. Viens nous rejoindre. Et là. Je ne vais pas recommencer, par exemple, le cycle link building, netlinking, comme tu dis en français. Non, je ne vais pas refaire les 5, 6 ou j'ai plus court sur ce sujet-là. Tu pars de zéro et de A à Z sur ce sujet-là. Il est gravé dans le marbre, là, c'est bon. Ça, tu peux le consommer, là, dès aujourd'hui, dès maintenant. Tu vas sur laurentbrouillet.com/blog et. Tu viens nous rejoindre dans l'offre de Bootcamp SEO. Le webinaire, il est dans quelques jours. L'offre va expirer. Tu pourras même venir au prochain IRL à Marrakech. Sympa, non? On fait un petit event à Marrakech comme ça. Petit comité. Et tu peux, ouais, viens. Ça va être chouette. Donc, on s'amuse bien. Il y a des connaissances du lourd, comme disent certains. Et tu ne peux pas, tu peux peut-être, je ne crois pas que ce soit possible de dire que
que c'est impossible de dire que ce que je fais, c'est de la merde. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Mais surtout, pense que ce que je transmets depuis plus de 7 ans maintenant, un truc. Je te parle de, ouais, donc il y a des trucs chimiques qui se passent dans le cerveau et qui font que de mettre son cerveau et son corps en alerte rouge, ben, il y a de choses extraordinaires derrière ça. Mais sans risquer ta vie, je crois que une des choses qu'on arrive à acquérir dans Bootcamp, c'est cette attitude, c'est cet état d'esprit que je ne vois pas dans toutes les listes pour devenir un très très bon SEO, c'est de d'être persuadé, de croire profondément, de savoir que ben c'est le cheminement, que de s'améliorer est extraordinaire, que de pouvoir de croire profondément qu'on est capable de progresser, de s'améliorer, de s'upgrader, c'est ça qui fait la différence entre les excellents SEO et le reste de la meute, qui est dans un fixed mindset, alors que les autres sont dans un growth mindset. Et d'avancer, la baseline chez vous dans Bootcamp, c'est chacun pour sa gueule, mais ensemble, parce que c'est quand même plus sympa, et qu'effectivement, quand je fais le tour et que je vois que physiquement, il y en a qui se sont transformés en quelques mois, mais mon Dieu, comment c'est possible? Tu vois quelqu'un à un event du jour J, et tu retrouves cette personne à J plus X semaines, allez, mettons 3-4 mois ou 3 à 6 mois, et la personne est physiquement transformée, pas qu'un, pas deux, et boum, 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 enfin, waouh! Donc moi, je te dis, si tu crois qu'on est sur une fréquence compatible, ah, bien, c'est chouette.